Que c'est que ce truc ? Aucune idée ! Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, je vais tester un jeu que j'avais déjà testé l'an passé. Enfin, il était là. Il y a entre 4 ans déjà. Il s'agit de Pac-Man. Enfin, Pac-Mania sur Sega Genesis ou Sega Mega Drive. J'avais déjà testé une version, c'était la version Sega Master System. Et on va commencer tout de suite. Alors, c'est un petit jeu. Un peu particulier, c'est un Pac-Man, mais sauf que contrairement aux autres versions, le Pac-Man en question, là, il peut sauter. Voilà, regardez, vous avez vu, là, j'ai esquivé, bon, en fait, je voulais pas esquiver la Pac-Gomme, parce que pour la simple bonne raison que c'était juste un petit aperçu de ce qui vous attend lorsque vous testerez ce jeu. Voilà, je prends la Pac-Gomme. Oui, parce que dans ce jeu, Pac-Man, pour échapper aux ennemis, il peut sauter. Hein. Et ça tombe bien, parce que très sincèrement, dans les jeux traditionnels de Pac-Man, Pac-Man, il ne sautait pas. Ah, attendez, parce que là... Oh, putain, j'ai eu peur. putain. Alors, voilà, attends, je te bouffe. Voilà. Donc, dans ce jeu, il faut quasiment bouffer toutes les packs gommes que vous trouvez sur votre chemin. Mais attention, parce que là, il fait gaffe aux fantômes. En général, les fantômes que vous croisez sont ceux qui sont dans les divers jeux. Ah, il y a le bleu, le rose, le rouge, ainsi que le jaune, voire le orange. Attendez, parce que... Et ils ont aussi des noms, hein, si je me souviens bien. Attendez, si je me souviens bien, il y en a un qui s'appelle Inky, qui est le bleu. Le rouge, c'est Blinky. Le orange, c'est Clyde. Et une rose, c'est d'ailleurs la seule nana de la bande, qui s'appelle Pinky. J'ai jamais su si c'était un garçon ou une fille, ce... Bon, en fait, en gros, c'est une fille, mais on l'a pas démontré. Mais c'est pas grave, je le dis quand même. Voilà. Et si je me souviens, il y a d'autres fantômes, notamment le violet qui s'appelle Sue, qui est une autre fille. Et je crois aussi qu'il y a d'autres fantômes, notamment un qui de couleur verte qui s'appelle Funky, si je me souviens bien. Oui, j'ai étudié le dossier Pac-Man juste avant de tester le jeu. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, la première fois que j'ai joué à tester un jeu Pac-Man, c'était sur Atari 2600. Hey, merde, je viens de me faire bouffer, putain. Oui, alors, Pac-Man, quand il saute, il saute une fois, mais il saute jamais deux fois. Et en plus, il est je suis sûr qu'il est complètement gavé d'être dans ce jeu. En plus, il est tellement dissident, il est tellement perdu qu'il faudrait un GPS et une carte pour le guider. Et voilà, c'est terminé. Parfait. Voilà. Allez, on passe maintenant au niveau 2. Niveau de... Je sais plus exactement où est-ce qu'on est. On va l'appeler le niveau du... Niveau du circuit. Voilà. Attendez, parce que là... Oui, attendez, oui, n'hésite... Bon, bien évidemment, si vous voulez piéger les fantômes, n'hésitez pas à les minder. Et voilà, c'est, je vous ai piégé, yeah. Tiens, je vais t'attraper, moi. ne faisons pas n'importe quoi. Oui, attention à ne pas vous faire repérer, parce qu'une fois qu'on les fantômes vous repèrent... Merde, ah, putain, ouais, ok, ouais. Là j'ai fait une connerie, là j'ai sauté juste devant, je voulais sauter juste derrière lui, mais j'ai mal calculé mon coup, je m'en excuse. Oui, comme je viens de vous le dire, apparemment ils vont... Merde, putain, mais fais attention, oh, et merde, je pensais que j'avais... J'avais, comment dirais-je, touché la pack gomme, mais non, je l'ai pas touché. Oui, alors quand je viens de vous le dire, avant d'être interrompu, et ne serait-ce que deux fois, une fois quand les fantômes vous repèrent, ils vont vous tarauder le cul, notamment la petite violette. Voilà, attendez. Voilà, attendez, c'est pas dire. Allez, on continue. Finissons-en rapidement. Voilà, attendez. Voilà, c'est pas dit. Allez, on continue.
Parce que là, parmi les fantômes que vous allez croiser, il y a la petite Violette qui s'appelle Sou. Oh, elle est farouche, hein. Elle vous taraude le cul, mais à des kilomètres, hein. Tiens, attendez, là, le voilà. Attention, elle n'a pas fait. Ah, ça... Bon, je récupérerai les packs gomme plus tard. Parce que là, je ne peux pas. J'ai vraiment pas le temps de. Plus j'ai, je crois que j'ai bouffé toutes les packs gomme qui me sont. Oui. Voilà, allez, on continue. Allez, on continue. J'aurais peut-être dû. Ouais, mais j'ai tellement peur de pas gâcher les packs gomme que je. Enfin, les super packs gomme que je préfère attendre hein, quand, le moment propice. Voilà, allez. Voilà, ça y est, voilà. Oui, parce que dans ce jeu, non seulement non seulement il peut être bien, mais il peut se montrer difficile. Il faut pas hésiter à bien calculer son coup. Merde, là, je me retrouve avec Sou, putain. Elle va encore me tarauder, merde, putain. Oula! Mais putain, ah non, c'est de la triche, monsieur. Putain. Oh, non, 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 là, c'est de l'anti-jeu, ça. Non, 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 ça, c'est des procédures de malhonnête. Enfin, ah, ben, c'est pas encore terminé, il me reste encore des packs gomme qui restent encore sur le chemin. Putain, mais. Allez, allez, on continue, on n'abandonne pas. Allez, encore. Voilà! Et là, cette fois, c'est terminé. Voilà. Ben, putain, j'en aurais chié, hein. Oh, en plus, j'ai plus de vie. Hein. Si je me fais encore bouffer, ne serait-ce qu'une fois. C'est game over. Game over total. Ah bah tiens, le voilà le petit vert là. Le petit vert, hein, celui qui a les yeux qui louchent un petit peu. Hein. Alors si je me souviens bien, lui aussi il a annoncé Funky. Si je ne me trompe pas. Ah attendez, parce qu'il y a une autre patte gomme. Je vais voir si je peux la prendre vite fait. Mais ah la messe, oui! Oula, oui, c'est. Oui, oui, alors, oui. Bah, c'est pas pourquoi, dans le cas des items hein, que vous ramassez. Hein. Les packs gomme que. Donc, y a des rouges qui neutre pack de super pack gomme. C'est une sorte de pack gomme de secours. Et une autre pack gomme vert qui vous donne de la rapidité. Oh putain, j'ai sprinté, mais. Le mec, Pac-Man, il s'est pris pour Usain Bolt, quoi. Allez, on continue. Allez. Tu vas mourir, et je m'en fous. Voilà. Hi Yoppa. Mais je vous rappelle que dans ce jeu, Pac-Man peut sauter pour esquiver les ennemis. Wouhou! Merde! Ok, c'était une connerie de passer par là et de sauter. Bon, c'est pas grave, 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 c'est pas grave. Toute façon, c'est game 1 et j'avais déjà perdu. Bon, en fait, ce jeu, il est pas excessivement dur, il peut. Enfin, si, il peut se montrer dur, mais il faut vraiment connaître pour bien l'étudier de près. Hein. Voilà donc les gens, c'était donc Pac-Mania sur Sega Mega Drive. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Alors ce jeu est, vous voyez sûr, a été édité par Namco, sorti en 1991. Bon, j'essaierai de voir je vais voir si je peux retester ce jeu. Bref, je sais pas, j'essaierai de voir. Bon, on verra ça. Si vous voulez que je le reteste, n'hésitez pas à mettre hashtag oui pour si j'ai envie de retenter l'expérience. Voilà, donc c'était donc Pac-Mania sur Sega Genesis ou Sega Mega Drive. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Allez, salut les gars!